Ça mène en territoire neutre. Rentre en territoire des Huskies. Lawrence, il va d'un tir. Ça rate la cible. Ça revient. Ça va revenir à l'enclave. Et tire le but! C'est marqué par l'Armada. La rondelle qui n'a pas été interceptée par Hagan et qui revient sur le bâton de Michael Denis qui marque ce but. Léa Armada qui fait 1-0. Je pense que la punition était terminée. Et là, c'est un but définitivement chanceux, Jean-François. Le Lawrence qui a pris un bon lancer, qui est allé frapper. Mettre de l'autre côté vers Kulikov. Kulikov entre en zone. Kulikov, le tir s'est bloqué par Reagan. Le retour, bel arrêt de Reagan sur Sarrazin. Ça a bien failli réussir. On y va d'un dégagement. Ça vient à Bigger qui dit qu'il décoche un tir, mais ça dévie. Ça va toucher le filet protecteur. 15 minutes 58, 1-0. C'est Cardinal avec le disque. Cardinal orchestre une montée à la porte-pièce. Cardinal, finalement, se retrouve seul devant Hagan, mais l'arrêt de Hagan est là, la rondelle qui est libre et le joueur de l'Armada qui est là. On est en train de le frapper par-dessus la jambière de Hagan là, qui. Ça vient à Dufresne. Dufresne à Carr à la pointe. Carr laisse vers Dufresne. Il y a de la circulation. Dufresne, il va tirer, mais c'est directement dans la mitaine de Gravel. Qui... Là, ça a fait mal à Perron là-dessus. Là. Il a reçu un double échec de la part de Bigger et il s'en vient en douleur vers le banc. Je sais pas si c'est... Malheureusement, ça va revenir. Mais là, c'est toujours 8 secondes. Une longue passe. C'est Jardon qui s'échappe. 6, 5. Le tir, l'arrêt d'Hagan. 3, 2, 1. La période va se terminer là-dessus avec un superbe arrêt d'Hagan. Ah, toute fin de période. Et là, on a failli se faire jouer. Alors, qui organise l'entrée de territoire de Husky passe vers Bourroche. Bourroche vers Gill. L'arrêt de Gravel là-dessus. Bel arrêt, là. Gill qui avait appuyé l'attaque. Alors, qui est en coin de patinoire. Alors, toujours avec Lénal qui n'a pas beaucoup d'angle, mais Turcotte ne veut pas trop presser. C'est final repris vers Cardinal. Le tir s'est bloqué dans l'enclave. Un autre tir et le but. Cette fois, Josh Lawrence qui a profité du déplacement là, de Hagan pour marquer et augmenter l'avance. L'Armada qui est 2-2, un avantage numérique ce soir. C'est vers Cardinal à la pointe, vers Fauchon. Dans l'enclave à Gendron, le tir. L'arrêt là, de Hagan, c'est un bel arrêt de Hagan là-dessus. Finalement, les Huskies vont réussir à dégager. Gendron qui réussit l'option de Brunel. Ça va permettre une contre-attaque. C'est Rousseau. Rousseau à Brunel. Le tir, l'arrêt de Gravel qui a bien suivi le jeu. Beau jeu de la kid line là-dessus. Passe à Dufresne. Dufresne, Carr laisse du côté de Verdon. Verdon remet derrière lui pour Carr. Carr, le tir. Ça vient le retour. Turcotte qui est là et on tente. Turcotte qui tente de passer l'évidence. Et finalement, c'est Dufresne qui récupère, qui marque. Axel Dufresne. Quel but du jeune défenseur des Huskies. Vers Rousseau. Rousseau qui gagne, réussit à remettre vers Verdon. À Brunel, le tir, l'arrêt là, de Gravel là-dessus. Et on n'ira pas plus loin avec 13 minutes 16 à faire à cette troisième période. On s'arrête pour une courte pause. C'est remporté par Turcotte. Mainville. Mainville dans la clé, le tir. Oh! Gravel qui réussit à arrêter, sortir la jambière au dernier. Fontaine patient, cherche une option, passe à Gill à la pointe. Gill, il va Fontaine. Patient, le tir, le but! Louis-Philippe Fontaine qui marque! Il avait eu le petit le trou sur le côté du filet. Louis-Philippe Fontaine qui crée l'égalité. Et quel but Louis-Philippe Fontaine là, qui a été très patient là-dessus, a fait bouger le défenseur pour finir. Oh! Bigger qui décoche un tir, mais c'est stoppé par Hagan. On tente une passe, là. L'arrêt. L'arrêt. Le tir, le but de Gendron qui récupère un retour. Et l'Armada qui marque aussitôt Alexis Gendron qui récupère un retour de lancer. Et du numéro 29, Édouard Cournoyer. Le gros arrêt d'Hagan là-dessus. Là. Encore une fois. Et là, on a eu deux occasions du côté de l'Armada là, durant qu'il annonçait le. Marqué par le premier trio de l'Armada, justement. C'est repris, là, ça va à Fontaine. De l'autre côté, le tir sur la cette. Quel arrêt de Charles-Édouard Gravel là-dessus. Qui Hagan va patiner. Passe à Gill. Et là, Gill perd la rondelle. Et Lawrence s'amène devant le filet. Désert et marque 4-2. Et là, Hagan qui va être crédité du but en plus, Jean-François, il avait pas eu. Je vais dire ça comme ça. Ça revient à Bourroche. Bourroche tente de passe, ça revient à Gendron. Et là, Lawrence reprend et c'est là, le but. Là, les Huskies, on jouait pas comme si on avait plus de gardien. Là, je comprends pas trop Bourroche. Lawrence qui compte.